Nazareth, où règne l'unité, où nos cœurs ont soif de sainteté. Près de Marie, nous parlons de douceur. Près de Joseph, ton humble serviteur. C'est toi, Jésus, qui nous rassemble comme à Nazareth. Nous contemplerons Marie. Nous contemplerons Marie. Nous contemplerons Joseph. Nous contemplerons Joseph. Et pauvres serviteurs, nous marcherons dans la foi, en écoutant l'Esprit, en écoutant l'Esprit. Dans notre humble aujourd'hui, dans notre humble aujourd'hui, comme Marie et Joseph, à Nazareth, Nazareth, où règne l'unité, où nos cœurs ont soif de sainteté, près de Marie. Nous parlons de douceur. Près de Joseph, ton humble serviteur. C'est toi, Jésus, qui nous rassemble comme Nazareth. C'est toi, Jésus, qui nous rassemble comme Nazareth. Alors, bonjour et bienvenue. Quel bonheur hein, de commencer le mois de Marie par la fête de Saint-Joseph en faisant un marathon à travers le monde et ensemble. On ne peut pas voir plus beau. On aurait rêvé, puis on n'aurait jamais réussi à penser à tout ça en même temps. Mais le bon Dieu y a pensé pour nous, d'abord pour notre bonheur et notre sainteté. Aujourd'hui, dans l'Évangile, les gens écoutent parler Jésus, puis à un moment donné, ils sont vraiment frappés par sa sagesse. Mais Jésus, il vient juste de Nazareth. Son père, c'est juste Joseph le charpentier. Sa mère, c'est juste Marie, celle qui va au puits chercher de l'eau. Comment peut-on s'imaginer qu'il a une telle sagesse? Il n'a pas une descendance d'un grand sage ou d'un grand rabbin. D'où vient cette sagesse que Jésus a? La sagesse de Jésus, elle vient justement de Marie et de Joseph. Joseph, l'homme du silence, l'homme qui est capable d'écoute, capable d'obéissance. Dieu lui parle la nuit et il lui fait faire tout ce qu'il faut pour protéger la Sainte Famille. Ce n'est pas l'homme qui discute, c'est l'homme qui écoute et qui agit, qui écoute et qui obéit dans un même mouvement d'amour. C'est un charpentier, un homme qui travaille le bois humblement et qui doit certainement travailler plutôt en silence qu'en placotant. C'est sûr qu'il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de tout ça, mais je ne verrais jamais Joseph en train de parler tant que ça. Et la Vierge Marie? Oh, la Vierge Marie! Dans le silence de ses petites besognes, celle qui sait écouter dans son cœur, celle qui sait reprendre tout ce que le Seigneur a fait pour elle et qui sait en parler avec Dieu. Marie aussi est porteuse de sagesse. C'est tellement simple qu'on ne peut pas comprendre pourquoi Jésus a une telle sagesse. C'est une sagesse des gens ordinaires, qui ne font pas d'éclat, mais qui ont une vision de l'au-delà. La sagesse nous envoie plus loin. La sagesse nous envoie vers Dieu parce qu'elle vient de lui et elle nous conduit à la charité. Et ça m'amène à penser à, je disais souvent de maman, parce qu'elle est, je pense qu'elle est morte, maman, pas mal en odeur de sainteté. Et quelques jours qui ont suivi son décès, on a vu des signes très évidents
qu'elle était auprès du Seigneur. Et je disais, « Maman, c'est une petite maman ordinaire. Mon papa, c'est un bon papa. » Du monde ordinaire, mais qui avait, à cause de leur vie de prière, toute simple aussi, qui avait une sagesse de vie naturelle. Je pense à maman quand elle disait, je lui demandais à 10h30 soir, pourquoi elle repassait encore les chemises de papa en mettant de l'emploi puis en faisant tant de fla-fla que je disais. Puis elle m'avait répondu avec un beau sourire, juste parce que ce sont les chemises de papa. C'est tout. À cause de l'amour. Je savais que j'avais plus rien à dire. C'était un mystère dans lequel, auquel maman me renvoyait, puis j'avais plus rien à dire. C'était un mystère d'amour. Je me souviens de papa aussi dans sa manière de dire les choses. Des fois, on parlait contre un ou contre l'autre à la table, mon frère et moi. Puis, on ne parlait pas longtemps comme ça. Papa disait, « Est-ce que tu vous parleriez comme ça si la personne était là? » On ne répondait pas. Puis après, il disait, « Si tu n'as rien de bon à dire sur quelqu'un, dis rien. » Tu vois, c'est encore une parole qui nous renvoie plus loin, qui nous parle d'amour et de charité et qui nous amène dans un vrai silence. Elle est là, la sagesse, au quotidien. Alors, si tu veux, maintenant, en ce début du mois de mai, on va aller à la chapelle, justement avec Marie et Joseph, et on sait bien que Jésus tient sa sagesse de Marie et de Joseph, mais Marie et Joseph tiennent leur sagesse de Dieu lui-même. Hein? Alors, on va aller à la chapelle, demander nous aussi cette sagesse déjà ordinaire. Une sagesse qui est fondée dans l'écoute, qui est fondée dans l'amour de Dieu et qui est fondée dans beaucoup de silence et beaucoup de joie intérieure parce qu'il y a un commerce intérieur, il y a un dialogue intérieur qui existe avec Dieu.